Yo les gars, c'est Red, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve, comme vous le voyez, au Groupama Stadium pour suivre la rencontre entre Lyon et l'Estac. J'espère en tout cas que Lyon vont gagner. C'est ma première cette année, justement, au Groupama Stadium avec mon abonnement. Donc c'est parti, je vous invite avec moi à suivre ce match. Et allez l'OL. Allez, allez, l'OL, allez. Rouge et bleu sont nos couleurs. Le but d'Afrique, par notre Léonard, Furacao! Tête!
Allez là. Donc voilà les gars, de retour après cette magnifique soirée. Du coup, Lyon ont battu 3-4-1 avec un doublé, deux TT, un but de Tagliafico et un but de notre général Alexandre Lacazette. Franchement, une soirée au top, une ambiance au top. Ça se voit un petit peu que c'est les 35 ans des Bad Guns. Et il y a aussi la hype, je pense, de Tolisso et Lacazette, parce que même un match contre 3, le virage nord et même le virage sud, franchement, ils ont mis une ambiance de dingue. Donc, de toute façon, vous l'avez vu sûrement dans le vlog. Mais franchement, c'est une ambiance comme j'en ai rarement vu pour les petits matchs, entre guillemets. Je parle vraiment de 3 en équipe, on va dire, de bas de tableau. J'ai tellement hâte, justement, d'être, quand on va affronter Paris, quand on va affronter Marseille. Je pense qu'il va y avoir une ambiance de feu. Ça va être, le stade, il va exploser, il va être chaud bouillant. J'ai tellement hâte. Franchement, ça fait plaisir de voir, justement, un Olympique Lyonnais comme ça. On a gagné, du coup, 2-1 Ajaccio. Le match contre Lorient, malheureusement, il a été reporté. Et là, on gagne 4-1 contre 3. Franchement, on fait un très bon début de saison en espérant que ça continue. Voilà. Après, c'est des équipes de bas de tableau et les promus. On avait dit justement au niveau du calendrier que du coup il fallait gagner les 5 premiers matchs car c'était les 5 premiers matchs qui étaient prenables. Pour l'instant c'est vert, c'est du vert partout, mais le match le décisif qui va voir si justement cette équipe tourne bien, ce sera le 18 septembre contre le Paris Saint-Germain du coup à domicile, et c'est là que réellement on verra de quoi est capable cette vraie équipe de l'Olympique Lyonnais. Mais en attendant, il faut gagner les 5 premiers matchs pour être vraiment classé au tableau. Donc voilà les guns, c'est la fin du coup de ce vlogo numéro 9 et le premier du coup de cette saison 2022-2023. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si vous avez kiffé en commentaire, abonnez-vous, lâchez les pouces bleus, c'est super important. Suivez-moi aussi sur Instagram car c'est là justement que je dis dans tous les matchs où je vais tout simplement, et je suis clairement actif sur Instagram. Également sur mon compte TikTok, parce que du coup, j'ai atteint les 1500 abonnés sur TikTok, parce que j'ai une vidéo qui a plus d'un million de vues, c'est n'importe quoi. Et du coup, je vais être actif aussi sur TikTok et sur Instagram, donc les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Red Lips, salut!